Et salut, on se retrouve pour une vidéo sur Air Factor 2. Alors, suite à la publication du mode officiel Alpine A110, donc sur deux versions, je vous présente déjà en fait l'équipe de modeurs, c'est Endurecer Modding Team qui a fait ce boulot magnifique. Je vais vous montrer ça après dans la vidéo de gameplay. Donc, je vous note ici la petite page de présentation du site. Alors, ils n'ont pas fait que ce mode-là, je vous montre ici, hop, l'Alpine, Carrera Cup et l'Endurance Series et Flight Series RF2. Voilà, il n'y a plus de preuves à faire au niveau des modes. C'est vraiment du très bon boulot à chaque fois avec des correctifs qui se fait assez rapidement. Donc voilà, je pense que là, sur l'Alpine Series, il y a eu déjà pas mal de tests faits en amont. Donc avant de publier forcément la version et la build ici, vous voyez 1.00. Donc voilà, je vous mettrai donc le lien de leur site dans la description. Et on va ici regarder directement sur Air Factor 2. Alors on se retrouve ici avec l'Alpine, donc version Cup, la A110 ici, et la version ici A110 GT4. Donc voilà, je vais pas faire les deux véhicules aujourd'hui, on va juste se concentrer ici sur la GT4. Je testerai peut-être la Cup plus tard. Le but ici, je vais vous montrer vite fait la comparaison avec les deux autres simu qui proposent ces modes-là et de bonne qualité également, de bonne facture. C'est Assetto premier du nom et Assetto Corsa Competition. Donc c'est juste un petit tour d'horizon de ce qui se fait, un petit comparatif. Et derrière, on se fait une petite course de 5 tours sur Bathurst. A tout de suite. Allez, donc on est sur Bathurst pour 5 tours à bord de cette Alpine A110 GT4. J'ai essayé de me placer, mais il y avait quelqu'un déjà.
Allez, on se rapproche, on va prendre la terre. Oh, il protège le cochon. Bien vu. Alors, les caisses sont vraiment bien faites. Les textures, les carrosseries, tout ça, c'est vraiment... Les skins sont superbes aussi. J'ai un petit bémol ce concernant le son. J'ai pas précisé setup de base. On sent bien ici hein, que ça déleste, donc au niveau de la physique, aucun souci. Allez, on est pour l'instant 15e. J'aurais dû y aller avant. On va se montrer, peut-être qu'il va essayer de protéger. Non, je suis trop loin. Ah, il ressort bien. C'est pas là que je vais pouvoir le prendre, moi. Ça se bagarre bien devant, pour l'instant ça passe, mais ah, j'ai dû freiner ici. Carton. Allez, on est bien. Check un petit coup derrière quand même, on sait jamais. Ah, quand je vous ai dit setup de base, c'est vraiment de base. Je vais même partir à le carburant. Oh, une attaque qui vient de loin. Mais ça semble passer. Allez, allez, on est pas mal.
se méfier ici. Ça va, je m'en suis bien sorti. Je parle pas beaucoup, vous en doutez. Peut-être là-bas au freinage encore. 11e, on n'est pas encore dans le top 10. Et il va rester 2 tours. Ah, ça roule bien devant. Je fais quoi là? Mais j'ai plus qu'à attendre. Ah, trop tard, j'y suis monsieur. Trop tard. Désolé. Ah, c'est pas évident, tu es de si près comme ça. Ouhou. Pour doubler, c'est vraiment pas simple sur celui-là. Allez, derrière, ça me suit. Oh, j'ai une bonne petite aspi là. Ouais, encore un bon freinage. J'ai attendu le dernier moment. Allez, dernier tour. Un petit peu large ici. Ouais, ça revient. Je suis un peu foiré là. Ouh là, c'est chaud aussi.
Ouf, ouf, c'est... Mais c'est quoi ça? La voiture elle a passé la barrière, mais là c'est... Là c'est phénoménal là. En direct, vous avez vu ça? En direct. En différé pour vous, mais... Allez, on va se refaire un freinage là. Obligé. On lâche pas le pied, on lâche pas le pied. Oui, c'est là, c'est là. Sixième, superbe course, franchement. Superbe course sur un superbe mode. Alors, il y a déjà eu des championnats dessus, hein, avec je pense les créateurs du mode, si je dis pas de bêtises, mais ça vaut vraiment le coup. Allez-y hein, dans le workshop, si je peux, je vous mets le lien dans la description. Et comme d'hab, on se retrouve dans les commentaires pour en discuter. Moi, je vous laisse et je vous dis à une prochaine. Tchuss!